Je suis né en Allemagne dans une famille protestante. Né dans une famille catholique, quelque part, il y a quelque chose pour moi qui était naturel et qui est toujours naturel. Mon père était protestant, luthérien, et ma mère, elle vient plutôt d'une branche baptiste. Mon église est importante pour moi dans le sens où j'ai un parcours dans cette église. J'ai eu la chance de découvrir la foi. C'était un grand cadeau que j'ai reçu déjà le fait que je suis né dans cette famille. On est un couple mixte en trois termes différents. D'abord, on est homme et femme. C'est déjà une très grande différence. Catholique et protestant, c'est aussi une différence. Et on est français-allemand. C'est aussi une différence de culture. Et ça, on a expérimenté comment c'était important de pouvoir prier ensemble. On prie en famille, on prie en couple. Et dans les temps de louange, parce qu'on aime bien aller à des groupes de prière, au temps de louange. Les différences qu'on a jouent un rôle de manière plus ponctuelle, notamment le dimanche, pour le choix du culte ou de la messe, parce que là c'est très concret. Où est-ce qu'on va ? Quand il y a l'occasion qu'il y aura un culte, c'est Anne, elle m'accompagne. Et on y va ensemble. Si il y a une occasion pour y aller à la messe, on y va aussi ensemble. Je pense que cette année, avec les 500 ans de la Réforme, ça nous donne l'occasion de parler plus des différences de nos confessions avec nos enfants. La réforme a commencé au début du XVIe siècle. C'est un moment de l'histoire de l'Europe où tout est en mouvement. Il faut toujours se rappeler qu'il y a d'abord l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, mais que Luther est contemporain de Leonardo da Vinci, de Michel-Ange, d'Erasme, de Copernic, de Christophe Colomb, de Magellan, et aussi d'ailleurs d'Ignace de Loyola. C'est un moment où toute l'Europe est en ébullition, tant au niveau politique qu'au niveau des idées, c'est l'humanisme, la Renaissance. Luther est donc moine de l'ordre d'Augustin à Erfurt. Il est entré au couvent après une expérience personnelle très forte. Un mönch der sehr stark geplagt war von Ängsten. Das Mittelalter war voller Angst vor Fegefeuer, Strafen und Ablass wurde gegen Geld verkauft. Luther hat so viel gebeichtet aus lauter Angst vor Sünden, dass sein Beichtvater schon etwas ungeduldig wurde. Luther was unable to find inner peace and refused the image of God as judge punishing sinners. While meditating in one of the towers in the Wittenberg convent, he lived a decisive spiritual experience, reading a passage in Romans regarding God's justice. He realized that God's justice is in fact that through faith, God makes sinners just. He then sought to reform the Catholic Church from within, without wanting to break away from it. On October 31st, 1517, he posted 95 open and unresolved questions
dealing with the theory and practice of indulgences on the door of the chapel of Wittenberg Castle, emphasizing the fact that God's forgiveness cannot be linked to works, let alone money. This is the date that we now consider to be the starting point of the Protestant Reformation. Originally intended to open up a theological debate among scholars, these theses spread rapidly across Germany. Luther was accused of challenging the authority of the Church and the Pope in the interpretation of the scriptures, and was excommunicated and then expelled from the empire. Having taken refuge in the castle of Wartburg, he began work on the first translation of the Bible into German to give people access to scripture and return the Word of God to a central position. Was wollte Martin Luther mit der Reformation? Er wollte Christus neu entdecken. Es war eine religiöse Erneuerungsbewegung. Er hat gesagt, christlicher Glaube kann sich nicht mit buchhalterischen Ablässen, bei denen es um Geldzahlungen geht, irgendwie ausdrücken, sondern christlicher Glaube ist etwas Existenzielles und ist Ausdruck der direkten Gottesbeziehung, der direkten Christusbeziehung. Und deswegen gehört die Gottesliebe und die Nächstenliebe untrennbar zusammen. Aus der Liebe Gottes heraus fließt die Liebe zum Nächsten über. Deswegen, glaube ich, geht es für uns in diesem Jahr vor allem darum, dass wir uns geistlich erneuern, dass wir das Evangelium neu entdecken und dass wir die Liebe ausstrahlen, die unser Herr Jesus Christus uns mit auf den Weg gegeben hat. Für mich ist Luthers Glaube schon sehr bewegend, wenn ich seine Predigten lese, wenn ich sehe, wie er gerungen hat mit den biblischen Schriften und auch sehr schön gesagt hat am Ende, du liest die Bibel nie aus, du wirst immer in deinem Glauben im Gespräch sein mit diesem Glaubensbuch. Aber an anderen Punkten muss man sagen, ist Luther auch in Irrtum verfallen gewesen. Sein Antijudaismus beispielsweise, den finde ich sehr belastend und davon hat sich unsere Kirche auch distanziert. Es gibt so viele Menschen, die sich kaputt machen lassen durch die Götter unserer heutigen Zeit. Schönheitsideale, Erfolg, Reichtum, Leistungsdruck bei der Arbeit. Es gibt junge Mädchen, die hungern sich zu Tode, weil sie meinen, dass sie einem bestimmten Gesetz der Schönheit folgen müssen. Und da zu wissen, ich bin geliebt von Gott. Allein aus Gnade, nicht weil ich etwas Bestimmtes repräsentiere, weil ich aussehe in bestimmter Weise oder weil ich was Bestimmtes geleistet habe, sondern allein aus Gnade. Ich darf einfach sein, bevor ich irgendetwas machen muss. Das ist etwas Wunderbares. L'Église a profondément changé après Luther. Il y a eu, disons, scission en divers groupes, un groupe restant fidèle au pape, un autre groupe suivant Luther, mais il y a aussi un groupe qui va suivre Zwingli, Ulrich Zwingli, le réformateur suisse à Zurich. Il va y avoir un autre groupe qui sera du côté de Jean Calvin à Genève et à Strasbourg. Il y aura un autre groupe encore en Angleterre. C'est en fait un éclatement de l'Église occidentale en divers groupes qui ne se comprendront pas entre eux jusqu'au XXe siècle. L'Église fidèle à Rome va elle aussi profondément changer parce qu'elle va convoquer le concile de Trente, Trente étant une ville en Italie du Nord, qui va opérer des réformes majeures, mais ce sera malheureusement un peu tard pour le dialogue, la scission étant déjà réalisée. Called to pray and work towards unity, the Chemin Neuf community intercedes for all churches at each Mass. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux responsables de chacune de ces églises.
mets un terme à notre division et conduis-nous vers l'unité parfaite. Ja, für uns Katholiken ist Luther natürlich lange Zeit, Jahrhunderte, der Ketzer gewesen oder der Heretiker. Und es hat gedauert, bis auch wir Katholiken eine neue Sicht auf Luther bekommen konnten. Das ist im 20. Jahrhundert geschehen. Er wurde sachlicher, nüchterner betrachtet. Es wurde erkannt, dass Luthers Anliegen nicht die Spaltung der Kirche war, sondern ihre Erneuerung an Haupt und Gliedern. Er hat zwar Kanten und Ecken, ist ein schwieriger Mensch manchmal, aber er hat doch wichtige Impulse auch für uns Katholiken gebracht. In Germany, it is now quite normal to have an ecumenical celebration. 2017 will be the first time that a jubilee of the Reformation is celebrated ecumenically. Many events, exhibits are being held throughout the world. To prepare for this commemoration, the Catholic Lutheran Commission on Unity has worked very hard on the draft of an important document entitled From Conflict to Communion. Le texte du conflit à la communion a été élaboré comme fruit ou résumé des dialogues de ces 50 dernières années. Et il est destiné aux membres de l'Église et aussi aux communautés locales pour qu'elles puissent, en cette année 2017, faire le point, avoir, disons, un résumé clair et précis de la situation actuelle, car les préjugés sont terriblement tenaces. Et nous, on est beaucoup plus loin que certains ne le pensent. The anniversary year began with an ecumenical celebration on October 31, 2016 in Lund, Sweden, where the Lutheran World Federation was founded in 1947. Pope Francis had created a stir a few months earlier by announcing that he would go there, marking an important step towards reconciliation between Catholics and Protestants. Throughout Germany, in 2017, reconciliation celebrations were held. The biggest took place in Hildesheim and was broadcast live on the leading television channel. It was attended by the highest state authorities. Wir haben einen großen Gottesdienst, Healing of Memories, gemacht, bei dem Kardinal Marx und ich wechselseitig uns einander bekannt haben, was wir an Wunden dem anderen zugefügt haben seit 500 Jahren und um Vergebung gebeten hatten, auch Gott um Vergebung gebeten haben. Wir haben aber auch einander gesagt, wofür wir dankbar sind bei der jeweils anderen Konfession. Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen vor Gott, voreinander und vor der Welt unsere Schuld bekennen. Wir wollen alles dem anvertrauen, der unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet hat. Wir kommen zu dir in Scham und Trauer über das Leid, das aus unserem Streit entstanden ist. Vor dir bekennen wir unsere Schuld und rufen dich an in unserer Not. Vergib uns, was uns von dir und voneinander trennt. Unter das Kreuz Jesu stellen wir uns. Dir vertrauen wir unseren ökumenischen Weg an. Wir bitten dich im Heiligen Geist durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Les grandes étapes du dialogue, il a commencé dès la première moitié du XXe siècle, mais c'est surtout le Concile Vatican II qui va faire entrer en dialogue l'Église catholique. Et ce dialogue commence en 1966 entre les luthériens et les catholiques. En 67, c'est la première réunion. Cela fait donc exactement 50 ans.
Il aura fallu un peu plus de 30 ans jusqu'à ce que le pape Jean-Paul II dise et demande que l'on parvienne à un accord fondamental qui a été signé en 1999 à Augsbourg, donc la Déclaration commune sur la doctrine de la justification. En fait, nous avons la même compréhension du salut et les condamnations qui ont un jour été prononcées ne valent plus aujourd'hui. Ça, c'est l'accord de 1999 qui est officiellement signé par le Vatican et les églises luthériennes, un accord auquel participent les méthodistes, auquel participent à partir de cette année les réformés, et les anglicans sont en train de réfléchir à une signature. Ecumenical dialogue between Lutherans and Roman Catholics made it possible to achieve agreement on other fundamental aspects of faith. Reference to scripture, understanding the ties between scripture and tradition, understanding Holy Communion, in which Jesus Christ is fully, entirely present with his body and his blood in the signs of bread and wine. Parmi l'ensemble des points qu'on continue à travailler ensemble, il y a donc le sens des ministères, il y a la succession apostolique et il y a aussi la nature de l'Église. Et c'est bien là les points qu'on doit continuer à travailler pour pouvoir avancer sur ce chemin de l'unité. Aujourd'hui, après bientôt 20 ans de mariage, je me rends compte que je vis en plus intensément qu'à d'autres moments, peut-être qu'au début de notre mariage, la prière qu'on a dans la communauté, quand on dit « donne-nous d'éprouver la souffrance de la séparation », curieusement, maintenant, c'est vraiment pour moi parfois pas facile de dire « moi je veux aller communier et Tobias pas ». Et donc la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi on ne peut pas communier encore ensemble? Et le point qui fait difficulté sur cette question, c'est toujours la reconnaissance des ministères. Parce qu'effectivement, entre catholiques et luthériens, on ne donne pas exactement le même sens à l'apostolicité, c'est-à-dire au lien que les ministres entretiennent vis-à-vis des apôtres. Par exemple, pour un frère catholique, tant qu'on n'a pas atteint l'unité entre nos églises, on ne peut pas poser le geste du partage du pain, on ne peut pas communier à la même table, parce que ce geste doit exprimer l'unité entre les églises. À l'inverse, pour un frère protestant, l'ordre des priorités n'est pas tout à fait le même. Si on est d'accord ensemble sur les vérités centrales de la foi, alors on peut communier, on peut partager le pain, et c'est le fait de poser ce geste qui va générer la communion ecclésiale, qui va aider à l'unité entre les églises. Il y a une problématique du ministère qui demande à être clarifiée, mais derrière cette problématique se cache une toute autre question. Est-ce que nous pouvons reconnaître une communauté qui est différente de la mienne? Est-ce que je peux la reconnaître comme expression authentique de l'Église de Jésus-Christ? Es ist letztlich die Bibel, die mich dazu bringt. Denn Paulus fragt, ist Christus etwa zerteilt? Und wir kennen die Antwort ganz genau. Natürlich ist Christus nicht verteilt. Es gibt auch keinen katholischen Christus, keinen evangelischen Christus oder keinen orthodoxen Christus. Es gibt nur den einen Herrn Jesus Christus. Und es gibt nur die eine Taufe und den einen Glauben, wie es im Epheserbrief heißt. Und deswegen heißt sich neu auf Christus besinnen und Christus neu entdecken immer, dass wir als Kirchen unterschiedlicher Konfessionen zusammenkommen. Ja, und wir als Evangelische, wir freuen uns von Herzen, dass ihr als katholische Schwestern und Brüder dieses Reformationsjahr mit uns feiert. Dass ihr mit uns gemeinsam den feiert, um den allein es Martin Luther selbst gegangen ist, nämlich Jesus Christus. Der Grundton ist die Freude darüber, dass wir gemeinsam
seinen Namen tragen dürfen. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil er uns es schenkt, dass wir seinen Namen tragen dürfen, den Namen Jesu Christi, gemeinsam. Ja, dieser Tag ist ein Tag der Freude. Dieser Tag ist ein Tag der Hoffnung. Amen. Amen. The ecumenical community in Taizé, France, was founded in 1940 by Brother Roger. Young people from all around the world come here to pray and meet, to discover other cultures and expressions of faith. Taizé is also a special place of reconciliation, as Bartholomew, the Patriarch of Constantinople, emphasized when he first came to Taizé in 2017. In this commemorative year, we went to find out how the brothers live out ecumenism and how they are celebrating the 500 years of Reformation. Mais je pense notre communauté qui est écuménique a les racines dans la vie monastique, bien sûr, parce que nous sommes une communauté d'essence monastique à Taizé. Donc les racines vont plus loin que la réforme, mais nous avons reçu aussi beaucoup de choses de la réforme. Et moi qui suis d'origine catholique, j'ai découvert ici cet amour de la Bible. Nous, les frères, nous venons de différentes confessions, mais aussi d'une trentaine de pays différents, différents continents. Ces différences d'origine, de pays et de continents, cela joue un rôle beaucoup plus grand dans une vie commune que les origines confessionnelles. Ich glaube auf jeden Fall, wenn man nach Taizé kommt, ist man offen, die anderen kennenzulernen, weil man eben gar nicht so unbedingt die Frage stellt, welche Konfession man hat oder von welcher Kirche man ist. Notre communauté qui est écuménique a cherché longtemps comment vivre une prière à laquelle des chrétiens de différentes origines peuvent se joindre. Et c'est une longue recherche qui n'est pas finie, qui continue encore, parce que nous voulons que tout le monde puisse participer à la prière, que ce n'est pas seulement la prière de la communauté, mais vraiment la prière des jeunes aussi. Очень важно для меня то, что в Таизе мы можем быть разными, и то, что мы принимаем друг друга, и то, что нас принимают здесь разными. И здесь очевидна ценность каждого человека, очевидна ценность его веры. Каждый привносит сюда что-то из своей веры, что-то из своей церкви, и это нас обогащает. Notre désir profond, c'est que les chrétiens puissent partager l'Eucharistie ensemble. C'est comment être fidèle au Christ sans cela. Alors nous voudrions avancer sur ce chemin. Et concrètement à Taizé, nous vivons avec un provisoire qui date depuis les années 70, où l'évêque catholique du lieu ici a ouvert l'Eucharistie pour la communauté. Donc tous les frères peuvent recevoir la communion à une Eucharistie qui est présidée par un prêtre catholique. Cela n'est pas une solution pour l'écuménisme encore, mais ça permet à nous les frères de ne pas nous séparer pour des célébrations différentes. Mais nous sommes très conscients que ce n'est pas encore une solution et nous voudrions que les églises avancent sur ce chemin. Einheit ist ein ziemlich schwieriges Wort, finde ich, weil man sowieso nicht erreichen kann, wenn man so versteht, dass jeder Mensch gleich ist oder dass wir alle genau das Gleiche machen müssen, um eine Einheit zu sein. Ich finde, dass, und das sehe ich auch in unserem Zusammenleben hier ziemlich stark, dass Einheit sowas ist wie, dass man zusammen einen Körper bildet, dass eben alle Teile wichtig sind und alle irgendwie das gleiche Herz haben, den gleichen Ursprung. I think it was Pope Francis who said this very well. He said that we should celebrate the gifts that the Reformation gave us. And I think it's a good way of putting it, because it's
I think it's a lot of tension of what happened and how it kind of separated us in one way. But I think if we celebrate the gifts that it actually brought, I think we can be the one of the founding stones to bring us together as well. Ce dialogue théologique est important, mais je pense il ne peut pas être approfondi sans que nous nous réunissions ensemble pour prier. Depuis un an, je ne cesse de dire, mettons-nous ensemble sous un même toit. Comme dans les Actes des Apôtres, après la mort et la résurrection de Jésus, les disciples étaient désorientés et peut-être aussi divisés. Ils ne savaient pas comment continuer. Alors, ils se sont mis ensemble pour prier et attendre l'Esprit Saint. Et je crois que cette année de commémoration pourrait être cela. In unserer Kirche ist natürlich eine große Frage, was es bedeutet, wenn wir kleiner werden. In Deutschland war es bisher immer so, dass die Christinnen und Christen in der Mehrheit sind in der Gesellschaft. Aber gerade in Ostdeutschland sind wir in eine enorme Minderheitensituation geraten. In der Stadt, in der Luther geboren wurde, getauft wurde und starb, Eisleben, sind nur noch 7% der Menschen christlich gebunden. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Dann für mich auch die Frage, wie können wir Menschen wieder ermutigen, selbst die Bibel zu lesen? Viele Menschen besitzen eine Bibel, aber sie lesen sie nicht. Wir brauchen eine geistliche Erneuerung, also neue Kraft im Glauben, eine neue Entdeckung des Evangeliums, eine neue Entdeckung von Christus selbst. Das brauchen wir. Und genau daraus wächst aber auch ein leidenschaftliches Engagement für die Welt. Also für die Armen, für die Überwindung von Armut in der Welt. Es ist ein Engagement für die außermenschliche Natur, die wir als Schöpfung Gottes sehen. Es ist ein Engagement für Flüchtlinge, über die Jesus Christus selber gesagt hat, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Also christlicher Glaube heute heißt, den Glauben und die Liebe Gottes mit dem eigenen Leben zu bezeugen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass Papst Franziskus das mit seiner Person, mit seinem Pontifikat so deutlich bezeugt. Auch als Protestant freue ich mich darüber und fühle mich mit ihm verbunden. Die Wiederentdeckung des Evangeliums, die Verinnerlichung des Glaubens und gewissermaßen auch einen neuen existenziellen Bezug zu Jesus Christus. Darum ist es Luther gegangen, den Glauben wieder zu verlebendigen. Und darum muss es uns heute auch gehen, Jesus Christus, das Evangelium in unserer Gesellschaft zu bezeugen. Und darum haben wir in Deutschland den Begriff gefunden, wir feiern ein Christusfest. From the letter to the Ephesians, chapter 4, verses 3-6. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, and through all, and in all. We pray this prayer for Christian unity, written by the Chemin Neuf, based on a prayer by the Abbé Paul Couturier. Herr Jesus Christus, du hast gebetet, dass alle eins seien. Nous te prions pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. Que ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation, unsere Schuld zu erkennen und über jede Hoffnung hinaus zu hoffen. Amen.